Attention, enlevez le casque, s'il vous plaît. Sur la plage de Berck-sur-Mer, il règne une ambiance militaire. C'est là qu'a élu domicile pour les vacances cette camionnette de la Légion étrangère, avec un message, la Légion recrute. Pendant l'été, pendant les vacances, et tous à la plage. Donc bah, où il y a du monde, et on en bas, où il y a du monde, pour expliquer et pour montrer que voilà, nous sommes là. L'unité d'élite doit encore recruter cette année 1245 hommes entre 17 et 40 ans. Si les étrangers sont nombreux à s'inscrire, les Français, eux, sont plus rares. Leur présence est pourtant indispensable. Et si on n'a pas de Français à la région étrangère, on ne peut pas expliquer, on ne peut pas apprendre, les étrangers ne peuvent pas apprendre le culture français et le parler français aussi. L'institution attire en moyenne 16% de francophones et espère bien arriver à en séduire 25% d'ici 2025, comme Goran, 15 ans. Moi, je voudrais partir, c'est pour plus apprendre. C'est pour apprendre genre d'être plus sportif et changer. Voilà. Et changer, c'est-à-dire ? Bah, changer physiquement déjà et mentalement. Cette campagne de recrutement se répétera tout l'été sur une soixantaine de plages françaises. Les futurs appelés seront amenés à intervenir sur des missions intérieures comme Vigipirate ou sur des opérations à l'étranger de l'armée de terre.